Bonjour Vendée! Nous sommes sur Hogwarts Legacy, comme à peu près 95% du Twitch Game aujourd'hui, car c'est la sortie, non officielle, mais c'est la sortie pour la version, pour les personnes, les possesseurs de la version de luxe, c'est à partir de maintenant qu'on a accès au jeu. Et du coup, nous y voilà. J'ai fait un questionnaire hier sur le site lié à Hogwarts Legacy, c'est Wizarding World. Et du coup, je l'ai lié et voilà mes résultats. Je suis Serpentarde. Mais je le savais déjà. Je suis un peu toujours Serpentarde. Il y a juste une fois où j'avais fait un test, je sais plus quoi, et j'étais Serdaigle. Voilà. Et du coup, j'ai une baguette en cœur de dragon cornouillé immense de 30 cm. Un peu souple. Parce qu'il faut un peu de souplesse dans la vie. Et mon patronus, c'était un oiseau. Un busard, je crois. Bref. Mais bon, quand je l'ai choisi, comme je t'ai dit Sam, comme je dis aux autres, c'était en anglais, c'était limité, il y avait des termes que je connaissais pas, donc j'ai un peu fait presque du pif parfois. Votre expérience de jeu sera personnalisée et le masque crâne à bec et la tenue d'élève qui soutient sa maison seront disponibles comme option d'apparence. Let's go, on est parti! Oh, comme il est classe! J'avais vu ce casque-là. Mais chez un streamer qui était Gryffondor, je le trouve plus joli comme ça. Je crois que c'était un casque crâne, mais il était tout foncé, tout noir. Et ça faisait juste un crâne classique. Oh, il est classe si c'est celui-là. Obtenir la récompense en ligne. Oui, je veux obtenir. Ah oui, j'ai des trucs, voilà. La version de luxe donne accès à une monture, un masque et des tenues extrêmement dark. Ça nous permet, donc c'est la monture sombrale. Petit Terratum, je connais très mal l'univers, je vais essayer de m'y plonger un petit peu pendant cette semaine où on va quand même un petit peu faire le jeu et un petit peu je vais m'intéresser un petit peu plus à l'univers, donc je vais essayer de me replonger au moins dans les films. Mais j'avoue que voilà, je vais paraître assez inculte face à des gens qui connaissent bien l'univers, j'en suis désolée. N'hésitez pas dans le chat à me corriger si vous connaissez bien l'univers, que vous l'appréciez, n'hésitez pas. Mais avec douceur, évidemment. Nouvelles montures sont accessibles dans le menu équipement, hippogriffe par défaut débloqué dans l'histoire principale. Accédez aux cosmétiques du menu équipement en plaçant le curseur sur l'équipement du même type et en sélectionnant changer d'apparence. L'arène de combat, donc c'est aussi une option qui est accessible avec la version de luxe, je crois, dans la forêt interdite dès lors que vous progressez assez dans l'histoire principale pour quitter librement Poudlard. Ça va être trop cool, hein. On va se promener partout, ça va être trop bien. Voilà, les gars, c'est l'héritage de Poudlard, le calot. Donc n'oubliez pas dans le chat, vous avez aussi vos drops, il faut bien connecter vos comptes et vous les aurez. Et ensuite, d'autres de cap coloré. Ok, mais ça, alors cette tenue, je l'ai vue sur un stream, parce que voilà, j'ai regardé un peu des streams avant de prendre le jeu quand même. Et je trouve qu'elle fait vraiment robe de chambre à fond. Je l'aime pas du tout, voilà. Voilà pour dormir ici. Le citron marche? Ah, peut-être. Oh, le sombral. N'hésitez pas à me dire, du coup, je sais que Sam et les Gryffondors, si vous faites le test, n'hésitez pas à me dire, c'est marrant. Ah oui, quand t'es éternu, trop bloody, oui, effectivement, être un peu paniqué. Test matériel. Ok, let's go. Recommandé tout en élevé, j'aime beaucoup. Extrême qualité des rayons. Lancer un test de performance, ça devrait être bon. Le son. Baisser un chouïa la musique. Mais elles sont jolies, les musiques du jeu, donc je vais pas trop les baisser. Voilà, je pense que là, c'est bien. C'est peut-être un peu bas, vous me direz, je mettrai un peu plus fort s'il ne faut. Aussi, je l'avais baissé dans mes mélangeurs de volume, je vais pouvoir augmenter un petit peu. Configuration, même si je vais mettre casque. Parce que ça change très honnêtement. Ce titre activé sera peut-être pas plus mal. Ouais, j'aime pas les petits tic-tic-tic et tous ces bruitages-là, j'aime pas du tout. Je voulais voir les gammas ou les trucs comme ça, mais c'est pas là. Bon, ça devrait être bon, hein. On va dire que c'est bien. Lucinti, moi j'aime pas ça. Mais alors quand il y avait écrit flou de bouger tout à l'heure, parce que le menu nous a bien fait rire, c'était pas flou cinétique, parce que ça ressemble quand même. Il y avait flou de bouger. Ah, flou de bouger. Intensité des secousses de la caméra. Ah! Ah non, ça me dérange pas, je pense. On va mettre 0,5. On baissera s'il faut.
Et du coup, ça, ces icônes, tout ça, c'est des petites choses qu'on modifiera peut-être avec le temps. Je vais mettre clavier souris pour le moment. Et je crois qu'il est ultra prévu. Je crois qu'il est ultra prévu pour de la console quand même. Hein. En fait, il me propose même pas de configuration de touche type clavier là tout de suite. J'ai l'impression. Ah si, c'est là. Bon, on va voir. Au début, on va peut-être faire à la manette et puis après, je te ferai des tests. Ok. Eh ben, c'est bon. Continuer. Et là, on est hyper. Je prends la manette. Je pense que quand même. Flou de bouger. C'est même pas ce que ça concerne, mais cette terre est déjà à peine visible. Bah là, elle est pas du tout. Oh, quand même. Pourtant, j'ai augmenté, j'ai accentué les contrastes. Faut pas que ça me nique trop les yeux, mais le jeu, je trouve, il est un petit peu terne. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai augmenté les contrastes. Et que je vais peut-être augmenter un peu la luminosité. Au pire, j'ai... Oh là là, c'est bien là. À peine visible, ce serait plutôt ça, mais moi, je vais mettre un peu plus. Ok. Ça aussi, pareil, on réglera plus tard s'il le faut. J'ai amené mon profil après le stream. Ah oui, bah oui, parce que en plus ça fait de la musique et tout sur le site, donc En tout cas, on est parti. Professeur Weasley, c'est une femme. On va faire une petite voix. On va faire une petite voix. Voilà, comme ça. Il nous fait plaisir de vous informer que votre inscription en 5e année au collège Poudlard, école de sorcellerie, a été acceptée. L'année scolaire commence le 1er septembre. Nous avons pris soin de vous envoyer quelques fournitures pour le début, et celles-ci vous accompagneront pendant tout votre voyage vers le château. Comme vous savez peut-être, selon le décret de la restriction de l'usage de la magie chez les sorciers de premier cycle, aucun sorcier ou sorcière de moins de 17 ans a le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école. Cependant, devant la singularité de votre situation, le ministère a gracieusement accepté d'autoriser le professeur Eleazar Fig à vous aider à vous entraîner au sortilège avant que vous vous escortez de Londres au château pour le banquet de début d'année à la cérémonie et à la cérémonie de répartition. Bien à vous, professeur Wesley, directeur adjoint. On est en 5e année, mais on a moins de 17 ans, c'est ça le truc. Genre, on est des surdoués de la magie, quoi. Pas surprise. Let's go. Oh oui. Bon, ça c'est trop bien, ça. Alors, plusieurs choix. Quelque chose de ressemblant, quelque chose de what the fuck. J'ai l'impression qu'on peut pas trop faire quelque chose de complètement what the fuck, mais on va un peu essayer quand même. J'ai l'impression qu'on pourra... On pourra pas faire une femme à moustache comme dans Disney Dreamlight Valley. J'ai l'impression. Moi, je suis pâle comme des fesses, moi. Malheureusement. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Il y a des jolis cheveux. Ah, des cicatrices! Est-ce qu'il y a des maquillages what the fuck? J'ai l'impression. Non, mais on pourra pas faire quelque chose de complètement déformé, je pense. On va écouter les voix. Aussi. Pas mal, ça. Pas mal, ça. Pas mal, ça. Mais tous les visages sont jolis, en fait, là. Ouais, non, on pourra pas faire quelque chose de complètement what the fuck. Malheureusement, j'aurais bien aimé, hein. Je sais pas. Qui me ressemble, ça? Pas ça. Pas ça. Ah, notre bout de nez en trompette. Moi, j'ai un bout de nez en trompette, moi. Guitare blasée que j'apprécie fortement. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça va être cette madame. Petite air blasée, là, qui me va bien. Ok. Cheveux. Alors, je vais regarder un petit peu les cheveux comme ça. C'est super stylé. J'aime bien. Mais, en vrai, dans les animations, avoir un personnage avec des jolis cheveux comme ça, le truc, c'est qu'on voit constamment nos cheveux passer à travers des vêtements, à travers des accessoires. Et du coup, je pense que je vais faire un personnage avec les cheveux attachés. Parce que ce sera un peu plus... Je sais pas, je suis sûre qu'on peut changer ça plus tard, de toute façon. Mais ce sera... ça nous sortira un peu moins de l'histoire. Ça, par exemple, c'est mignon.
un immense choix. Hein. C'est quoi? C'est ça? Oh le, c'est pas mal. Hein. Je pense que ça me sortira un petit peu moins du truc. Après, j'espère qu'on peut porter des chapeaux et tout. Alors, des cicatrices! Ah, elles sont légères. Ah, on peut faire... Ah, je peux avoir des grandes beautés. Mais... Pourquoi je les vois plus, les grandes beautés? Ah oui, d'accord, ça dépend. Ah, celui-là, moi, j'en ai un. Ici. Très léger. J'en ai un là. Je mets celui-là. Ensuite, des balafres. Elles sont très... Oh, c'est classe. Oh, c'est classe. Un peu de swap, quoi. On a du vécu, un peu. Oh, j'aime bien comme ça. Ça impose un peu le respect, si vous en pensez. Moi, je pense. Ah, de profil, ça fait badass. Hein. Toi qui va supporter ton perso pendant 150 heures. Ouais, mais bon. Bon, j'avoue que contrairement à Elden Ring, il aura pas un casque constamment. Alors. Légèrement. Voilà, des sourcils légèrement accusateurs comme ça, j'aime bien, moi. Légèrement. Pas trop. Oh, c'est pas mal, ça aussi. J'aime bien son air légèrement dédaigneuse. Ça va être une bonne serpentarde. Non. J'aime bien les sourcils d'ortie, mais on va essayer de faire plus original. Non, mais cela. Couleur des yeux. Ah, dommage qu'on voit pas en direct parce que c'est chiant. Attendez. Ah non, c'est encore pire la manette. Ah non, comme ça, c'est bien. Bon, je sais, les yeux violets, c'est tentant. Oh, c'est classe ça. C'est des yeux de plein de couleurs différentes. Même moi, les yeux violets, je trouve ça trop banal. Dans les jeux. Pas dans la vraie vie, ce serait incroyable, banger. J'aime bien, j'ai toujours bien aimé les yeux jaunes. Ça fait un peu serpent en fait, les yeux jaunes. Tu trouves qu'on dirait Dina, Bloody? Je trouve pas. Oh ouais, non, mais des yeux jaunes comme ça, c'est ultra, ultra stylax, hein. Ah, j'aime trop. Bon, c'est un peu jaune doré, je ne sais quoi. Un peu serpent, c'est pas mal. Encore des sourcils. Mais j'ai pas choisi la cour de mes vœux, moi, je m'en rends compte. Mais oui, voilà, je me suis dit, ce sera la fin. Penny. Attendez, je peux faire comme ça. Bah voilà. Ce rouge délavé là. Bah sinon ça, mais c'est vieux. Mais y a pas de vrai rouge. Tu sais ça? Rouge un peu intense là. Et du bleu intense, mais du rouge pas intense. Bah pas de vrai rouge. Les couleurs sont fades, oui. Alors que limite le... Voilà, le vert est intense. Et le rouge... Bah c'est ça. Et ma coloration, c'est pas le but qu'elle ait l'air d'avoir été faite il y a 6 mois non plus. De toute façon, c'est se voit. C'est limite la couleur la plus intense qu'on ait dans les tons rouges en fait. C'est de l'acajou. Mais ça fait bizarre un peu.
Mais non, on dirait qu'elle a du blanc dans les cheveux. En fait, on dirait qu'elle a déjà des cheveux blancs, la gonze. Je sais pas, peut-être qu'avec une autre coupe, ça fera moins bizarre. Mais genre, je prends ça. Elle a vraiment une tête parfaitement androgyne. Elle peut faire homme ou femme. Oh, ça me saoule. Gardons la copine. Bah, je sais pas, je suis un petit peu mitigée, j'avoue. Pour mon perso. Y'a tout qui me sied à moitié, je dois avouer. Ça ne me sied pas tout à fait. Ah, la personnalisation là. Je sais pas quelle tête me ressemble le plus. Aucune. La réponse c'est genre peut-être aucune. Elle a l'air. Allez, on va garder. On va garder et puis on va rester comme ça et puis voilà. Quand elle me suit des yeux, j'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. Un peu restreint, ouais. Non, mais les cheveux, j'avoue que moi, j'arrive pas à m'en mettre. Hein. Et la couleur, là, je suis dégoûtée. Je sais pas. Sinon, on choisit une autre couleur. Hein. On va peut-être pas rester dans les tons rouges parce que bon, ça fait un peu chelou. Un cheveu noir, c'est d'une banalité. Bon, c'est stylé, hein. Je trouve ça très joli. Mais... Alors, un peu comme ça. Peut-être un peu corbeau comme ça. Ouais. Bon, ça fait toujours cheveux gris, hein. On veut toujours cheveux gris, maman. Ouais. Mais par contre, les trucs, ça fait pas... Ça va pas le faire. C'est noir. Mais même le noir, il arrive à pas être intense parfois. C'est fou ça quand même. Ah mince, changer la couleur des yeux, je peux faire exprès. Ah, un petit swap là avec les sourcils rouges, non? Oh, je vais garder ça, tiens. Allez. Je tout changer. Ok, première voix. J'ai hâte d'aller après Olar. Quelques toiles d'araignées et de la poussière. Je suis encore à l'école, mais c'était assez incroyable. C'était captivant. Je crois que j'ai hâte d'aller après Olar. Et oui, on parlait tout à l'heure d'Elie, tout ça. C'est Adeline Châtel. Oui, voilà, Châtel, c'est ça, qui fait la voix. J'ai toujours un bug avec son nom de famille. Et niveau de difficulté, on va mettre difficile. J'hésite, en fait. Parce qu'il a pas l'air dur, mais je vais peut-être le regretter. Cicatrice en forme de caillou, il y a ça.
Il y a des cicatrices en forme de petits points. Écoute-moi, j'ai celle-là comme balafre. Maintenant, je suis moins sûre. Oh, celle-là est bien. Oh non, celle-là est mieux. Je regrette pas. Ok. Sorcière sorcier, dortoir. Prénom. Vous devez nommer votre personnage pour continuer. Draculox. Mon prénom ce sera Dracu. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense que c'est bien. Ah là c'était non. Lox Dracu. Ah ouais ce serait bizarre Draculox. Non c'est bon c'est ça hein, Draculox. Non. Quoi, vous aimez pas Draculox? On va proposer des trucs alors hein, moi je vais pas chercher des heures hein. C'est gentil, vraie réponse, j'espère que tu vas bien. En histoire, tu touchotes. Ouais, voilà. Non, et puis les énigmes aussi. J'ai un pré... Je crois... Et ça, c'est surtout ça qui m'intéresse, moi. C'est de pas avoir trop d'aide à ce niveau-là, parce que je crois que le jeu va t'aider beaucoup plus si tu mets le jeu en normal ou facile, voilà. Il va t'aider beaucoup plus sur les énigmes, je crois. Mais Draculox en nom. Prénom. Oh mais Draculox, qu'est-ce qu'il faut? Lox Granger. Ah. Hermiox. Dracu en prénom, c'est spécial. Bon, vous avez peut-être raison, vous avez peut-être... J'avais pas réfléchi au fait que ça pouvait paraître un peu bizarre comme prénom Dracu. Moi, j'ai pas assez de références, après. Si je mets inventaire... Attends. Non. Harry Potter. Comment on appelle ça? Générateur, voilà, c'est un générateur de noms de sorciers. Alors, Henry Serpent. Oh, c'est beau du don, c'est bien ça. Tu es allé loin, toi. Tu travailles chez Game Freak, on dirait. Gaïa Rabot. Sorel Baracus. Eh, on n'est pas loin de Draculox, hein, Baracu. Lail Locus. On aime bien que. Alors, faudrait que je mette Dracus. Dracus Lox, peut-être. On est bien qu'il s'appelle Draco. Ouais, hein. Dracolox. Ah, vous préférez Dracolox? Dracolox, c'est pas mal, hein. Green Snake, oui, c'est serpent vert. Dracaslox. Dracubaracu. Dracubaracu, c'est beaucoup, beaucoup trop... Attendez, je randomise encore. Non féminin. Rosalia Falcon. Claudine. Feather. Clara Capricorn. Eh, franchement, ils sont pas ouf, hein. Chandra Bucket. Je pense à Barbecue. Dracu Barbecue. Ouais, mais non, mais Dracolox, il y a Drago Malfoy. Ça fait mais ça fait nom de méchant après. Hein. Enfin, ça fait nom de machin là. Serpentard. Moi, je suis une serpentarde. Hein. Nightmare. Eleanor Nightmare. Non, mais carrément. Je m'appelle Tark Sasuke du cauchemar de la solitude. Je suis gentille. Dracula que ça passe. Mais alors, je mets quoi comme nom de famille? Oh, je sais.
Draculos Albatrus. Albatrus. Draculos Albatrus. C'est pas bien, non? Vous préférez Dracolox? C'est en référence à Dracula. Dracolox, ça fait en référence plutôt à Dracolos. Le vert, la couleur de Serpentard. Oui, mais bon, on fait une ref à la maison, là. On est sur la Lox TV. Tu fais trop peur, Draculox. Non, mais Albatrus. Franchement, Draculox Albatrus. Moi, je trouve ça bien, Albatros. Mais ils aiment bien les trucs en us. On est surtout sur le Q, le us. On est sur des sons qu'on aime chez les Serpentards. Draculox Albatrus, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Vendu jeudi, allez. Allez, allez, sorcière, let's go. Il y a des mots interdits. C'est dans Draculox ou c'est dans Albatrus? Oui, non, mais Sam, je connais pas le lore, moi. Toi, tu connais mieux, hein. C'est peut-être le Q. Ah, mais oui, c'est C-U-L, du coup, Draculox. Albatrus, c'est peut-être ça aussi. Eh, ça va être compliqué. Non, Albatrus, moi, j'y crois, moi. Qu'est-ce qu'on met? On met Dracolox? Comme ça? On tente? Ou vous avez une autre propale? Et on verra, ouais. Tester ça, hein. Dracolox Albatrus. C'est pas mal, Dracolox Albatrus. Dracalox. Dracalox? Ça fait un peu Calox, quand même. Alors Dracolox, ça fait dragon. Dracalox? Draculox. Non mais on... Hey, on cherche pas un pseudo, on cherche un nom. L'oxymore. C'est bien ça aussi. L'oxymore. L'oxymore. Eh, c'est pas mal l'oxymore. Franchement, l'oxymore, moi j'aime bien ça. Ça c'est... Mais vous savez quoi? On va faire sans E. Voilà, c'est un peu plus... Loxus Albatrus. Non. L'oxymore. C'est bien! En vrai, non? L'oxymore. Ou alors avec un D. Genre, l'oxymore. Sans le E. Ouais. Ça fait un peu plus... L'oxymore. Non mais... L'oxus? Pourquoi l'oxus? Hein? Dis à haute voix comme ça, est-ce que vraiment c'est bien? Non, l'oxymore, mais sans le E, moi je sais pas, je le sens bien. Comme ça après, hein, je peux faire comme ça, mais là ça fait non, je trouve qu'on pourrait trouver plus que ça, ça fait pseudo de la Lox Télévision. J'y ai pensé. L'oxymore. En voilà, comme ça, ça fait un nom un petit peu. Ouais, non, c'est bien. Allez, let's go. C'était bien, bravo. C'est moyen en fait oralement, ouais, parce que moi je vais peut-être le lire à haute voix sûrement. Je l'ai souvent. Et j'ai pas envie que vous preniez ça pour une proposition. Nous sommes presque prêts à partir. J'espère que c'est assez fort. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps. Allez, un peu d'immersion. Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié. En effet, professeur. Bien. Ah, le bleu est plus intense. Je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Oh, elle a l'air trop pipou avec cette petite voix. Vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec toi avant la... Oh, Eleazar. Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non,
N'en parlons pas ici, Eleazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierres. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il était inquiet ? Il n'y a pas de chevaux là. Il y a eu un bug d'affichage. Eh, il manque les chevaux. Eh, dis donc. Normalement, j'ai le système de la préco, ouais. Ah ouais, désolé, quand je tâche, j'étais ultra concentrée. Mais effectivement, si vous vous vexez parce qu'on répond pas à un message sur un stream, vaut mieux pas rester. C'est mieux. Oh, mais j'étais trop focus là. Oh, Warner Bros. Wah. Pardon. Pff, beaucoup trop enjaillé alors que je suis vraiment. Je sais pas, c'est toute cette effervescence. Je pense que je suis très influencée par les engouements communs. Ça m'engoume aussi. Tu vois, parce que c'est son bras, le panique. Ouais, c'est ça, ouais, ça a bugué, ça a pas affiché les chevaux. Moi, je dis n'importe, ils sont pas là. Les chevaux, ils manquent dans la cinématique, quoi. Ah là là, le jeu mal fait. Ah, ça va, je connais pas l'univers, mais quand même. Ah, ça. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive en tant que cinquième année. Mais on sait ce que c'est un oxymore, réponse. Comment oui, ça, apprenez à prononcer? Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un... Je sais très bien ce que c'est, t'inquiète pas, je fais des études de... Et moi non plus. Bien sûr. J'ai fait une partie de mes études en linguistique, donc t'inquiète, tu sais ce que c'est. Avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Ah, mais c'était une question quand t'as dit t'es serpentard du coup? Parce que je l'ai mis dans le titre du coup. Oui, je suis serpentard. N'est pas seulement un enseignant exceptionnel. C'est aussi je m'en fiche de la maison en vrai. Et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Mais j'aime bien le vert. Je dirais alors, ça même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Des microfrises, oui, j'ai l'impression aussi, mais je sais pas trop. Aurais-tu vu cela? Ah mais non, mais je les vois pas moi sur... Attendez. Chacun a une idée différente. J'ai le table, ça va, ça fait rien. Je regarde à droite si j'ai des microfrises aussi. Je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Là, je vois pas de prise, moi. Comment ? Voilà. Mais on avait à des moments, ouais. Par contre, je les ai eus. De Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. Si on connaît pas l'univers, ça peut le faire quand même. Attendez, j'essaye de suivre. Je vous lis, mais j'essaie de suivre. Je vais essayer d'être bien. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. C'est marrant ça. Moi non plus. C'est une Under, et voilà l'aura. Mais je vois, réponse, je vois. Mais oui, c'est pour ça que j'aimais bien le terme là, Tima. Oh, attendez. Chut. Oh là là. Wouah. Pardon, j'ai paniqué, mais je m'y attendais pas. C'est pour... Attendez, je vous montre ma tête choquée. Par contre, mon perso ne sait pas faire les visages choqués. Oh là là, les chevaux, ils vont pas bien. Il faut les nourrir un peu, vos chevaux. Hein. La clé. Ce serait quoi mon patronus? Mais je sais même pas ce que c'est un patronus. Mais sur le site, j'ai fait le test et c'est une sorte un rapace, un busard, je crois. Voilà. On dit un sombral des sombros, du coup. Ah oui, bah je pense, oui. Tu as raison. Les sombros, ils vont pas bien. Tout à fait, tout à fait. Oh, petit écureuil. Comment ça va?
pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Moi, c'est ça. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on lui dit tu te le gardes ton bain de bouche? Non. Non. Je peux mettre ma cam, j'ai l'impression qu'elle va gêner un peu partout, mais peut-être plutôt à droite. Que s'est-il passé? Pauvre. Ouais, au-dessus de la vie. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une... L'image qui te représente le plus, je sais pas, hein, très honnêtement. Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur? Où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Porte au loin? Un objet. Ah ouais, c'est une boisson ça. Ceux qui le touchent à un endroit précis. Pas trop fan, un peu amer. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Expecto patronum. Mais suivez-moi. Pardon. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Si vous aimez bien Harry Potter, n'hésitez pas à écouter le remix de French Fuse que j'aime beaucoup. Moi. Enfin, les remix de French Fuse sont stylés. Ok! Petite pub comme ça, je sais pas pourquoi, parce que j'aime bien. Ok. Lox commence! Let's go! C'est parti! Oui, j'ai bien fait parce que mon personnage va être plutôt à gauche de l'écran de ce que je vois. Donc c'est bien que ma cam soit à droite, à savoir à l'opposé. J'ai des popos. Par contre, c'est quoi cette vision? Parce que c'est pas joli! Oh, j'ai des petites jolies. C'est normal que je vois bleu? Ah oui, c'est normal que je vois bleu. Ça, c'est normal chez les... Wouah! Mais où ce Porto loin nous a-t-il emmené? Je sais pas. Plus loin de Londres que notre destination initiale. Plus loin que Porto? Nous nous trouvons dans les Highlands des... Monsieur, ces ruines... Ah, le Porto loin devait nous emmener ici? Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette... C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Non, merci. Si vous n'avez rien de cassé, j'avoue que c'est excellent. Vous n'y voyez pas d'inconvénient. J'aimerais jeter un coup d'œil dans... Aucun le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous avons... Bloody, t'es Serdeg, chat, Quagostas, Gryffondor, Patronus, tigre. Ouais, mais moi c'est ça. Mais le truc c'est que sur le site, mine de rien, je tiens à faire un petite correction. Corriger un petit truc, c'est que... Mais je veux pas être... je veux pas voir en bleu. C'est que... Mais attendez, est-ce que c'est pas parce que j'ai mis les contrastes à fond? Je vais tester, parce que là je me rends compte que c'est pas normal que je vois en bleu, on est d'accord? C'est marche arrière, oui c'est ça. L'oiseau s'appelle... Mais j'ai regardé ce que c'était du coup. Marche arrière. Parce que c'est pas normal que je vois en bleu, on est d'accord? Voilà, j'avais fait... Non, c'est pas là. Non, c'est pas là non plus. Mais oui, je sais. J'avais fait. C'était où? C'était pas là-dedans, profondeur de champ, aberration, grain de film. Bon. Je vais l'enlever, tiens. On va voir, c'est peut-être ça qui déconne. Parce que je pense que c'est pas normal. Vu que c'est pas dans les cinématiques. Et vu que bah, j'ai appuyé sur toutes les touches et il m'a pas dit vous avez une vision de l'aigle, même si je suis sûr que j'en aurais une, mais... Bah je peux pas. Il y avait un truc qui s'appelait contraste. Bah, je les vois pas. Vous êtes dans ceci. C'est bizarre ça un peu. Mais ouais, je disais pour le patronus. Et ben, texte, mode contraste élevé. Je vais l'enlever. C'est que, bah voilà, moi il y avait des termes que je comprenais pas toujours dans le truc. Et vu que c'est limité en temps, bah je pouvais pas checker. Donc,
Ah oui, c'est ça. Je vais regarder avec le filtre pour voir si c'était ça. Bon bah d'accord, donc le mode contraste élevé ne fonctionne absolument pas parce que du coup on devient des avatars. Ce qui est sympa, mais ce qui n'a pas de rapport. Si j'active. Je vois pas la diff. Je vais essayer. Il était mis de base donc je l'essaie. En précommande, ça marche dès aujourd'hui? Ouais, moi j'ai acheté je l'ai acheté tout à l'heure, je l'ai préco tout à l'heure en début de journée. Et ça a marché. Alors il y avait des bugs sur Steam. Ça devait marcher à partir de 19h, mais il y en a plein qui n'ont pas pu jouer, comme Dilo par exemple et moi. Et c'est quoi, c'est ça qu'on sera s'élevé? Bah ça sert à se voir en bleu. Tu suis pas un Sam. Je sais pas. Vous savez que la Belgerie ça ressemble un peu à Poudlard. Je sais surtout que la Belgerie ça ressemble pas du tout effectivement. D'Avatar t'es passé mais grave. Alors le professeur Fig et moi avons utilisé un porte-loin pour nous rendre à bord d'une falaise perdue dans les Highlands écossaises. Devons explorer les mystérieuses ruines vers lesquelles nous pensons que le porte-loin était censé nous conduire. Moi, j'avoue que même si je suis pas spécialement fan du truc, j'ai acheté sur Instant Gaming. Il faut prendre la version Deluxe, vraie réponse par contre. C'est pas la version classique, donc elle est sur Steam à 50 et quelques balles, je crois. Ah non, plus. Non, la version Deluxe, elle est sur Steam à 70 et quelques, je pense, 65, 70. Et sur Instant Gaming, elle est 10€ moins chère, à peu près. À mettre la main sur le porte au loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, 53, voilà, retrouver le chemin. Non, t'as réussi à faire tes tests? Ah, tes tests. Voilà le test de ça. Hein. 70 sur Steam, 68 sur Instant Gaming. Non, 53 sur Instant Gaming, Sam. Mais monsieur, non, faut pas déconner. Des traces de cette magie ou... Mais du coup, il y a une grosse différence. Myriam voulait comprendre pourquoi une magie... Et bah la version normale en T, t'auras accès au jeu que vendredi. Non, mais moi aussi, Bloody. La version, voilà, si vous jouez la version normale, bah ce sera qu'à partir de vendredi, je sais pas quelle heure, ça varie, bref, que vous pourrez y jouer. Et en plus, vous avez des petits trucs en plus, genre des skins, et aussi une arène de combat ou je ne sais pas quoi, je sais pas ce que ce sera. Mais voilà. Des petits trucs en plus. Disparue du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Bon, je vais essayer de suivre, excusez-moi, parce que ça, je connais pas le lore. Semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Qui prend les infos? Avec plaisir. Plus de missions, peut-être, c'est aussi. Je sais pas, peut-être une petite mission si exclue. Possible. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un... Non, mais... Sam, tu sais pas faire les recherches, c'est pas possible. Ou alors, elle a peut-être pris plein de... J'avoue que... elle a peut-être pris très cher aujourd'hui, la version de luxe. Parce que plein de commandes. Ah, mais tu dois regarder la version console, peut-être, Sam, non? Attendez, excusez-moi. Désolé, la VOD, depuis tout à l'heure, c'est pas fou. Tiens, voilà, je te montre le lien, Sam, comme ça, si tu veux checker, vérifier. Et je pense que tu regardes une version console, et les jeux console sont souvent un peu plus chers. Voilà. Bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec... T'en penses quoi du jeu pour l'instant? Les couleurs des cheveux sont un peu fades, mais j'ai pu faire que ça, en fait. J'ai pu faire que mon perso, et ça, j'ai rien fait. Je n'ai pas joué encore. J'ai... 44 minutes de VOD, c'est mes premiers pas, c'est là. Attendez, je suis trop proche. Je vais tester. T'as une commande drop? C'est pas une commande! Faut que vous liez bien, par contre, votre compte Steam, et je crois même votre compte Hogwarts Legacy, enfin pas Hogwarts Legacy, mais votre compte Harry Potter, fan, website, je sais pas quoi, pour les avoir, il me semble.
Mais par contre, il n'y a pas de commande. C'est-à-dire que juste vous venez et ça défile. Ouais, les drops. Et oui, il y a les drops. Normalement, hein, moi, je peux pas. Vu que c'est mon propre truc, je peux même pas être sûr, en fait. Je les vois même pas, moi, sur ma propre page. Voilà. Mais j'ai eu des drops, là. Recevoir la... Oh, attendez, j'en ai eu un, d'ailleurs. Je crois que c'est en regardant mon propre live que je viens d'en avoir un. En profiter, je prends. Incroyable. Là, j'ai 3 drops sur 4, moi. Fantastique. Qu'est-ce que t'en penses de Voldemort? Bah, je me demande comment il éternue. J'aurais dû commander une baguette magique. J'ai ma baguette. Elle est là, hein. Don't judge me. Ok. Je sais pas si vous pouvez avoir un drop si vous avez le jeu. Bah si, évidemment. Les drops, c'est fait pour dans le jeu. Du coup, si t'as pas le jeu, tu prends... Enfin, c'est bizarre. Mais si, moi, là, d'ailleurs, ils sont... Ah bah voilà, ça me le dit. Attendez, je vous le montre. Oh, incroyable. Je vous montre capture d'écran. Voilà, ça me dit... Recevez ça en regardant ce stream. C'est pas incroyable? C'est mes premiers drops. Je suis émue. Par contre, je vais... Ah mais oui, mais j'ai des sites ouverts à côté. Attendez, je ferme tout. Voilà. Ok. Professeur Figam avant d'utiliser Porte au Loin, mon nom, ça j'ai déjà lu. Nous devons explorer des mystérieuses ruines vers lesquelles nous pensons que le Porte au Loin est censé nous conduire. Alors, peut-être le faire. J'hésite à le faire à la manette. Je pense que le jeu est plus pensé pour la manette, donc on va faire à la manette, mais je crois que je vais pas être très à l'aise. Si je fais à la souris, ce serait comment? Utilisez votre caméra pour sélectionner. Bon allez, on va faire à la manette pour le moment. Je moule te drop. Là que tu passes à la TV de toi. Il y a des jeux qui tournent comme toi là, ça marche quand même. Oui, ça n'a pas de rapport avec le jeu. Ce qui on va dire que c'est même pas... c'est ton compte qui doit être lié. Mais Twitch ne sait pas que t'es là maintenant en train d'y jouer. Mais oui, ça n'a pas de lien. Typiquement, les drops Overwatch, je les ai eus en jouant Overwatch, c'est pas un problème. Le truc c'est qu'il faut être là un certain temps et il faut avoir lié son compte, mais c'est tout. Est-ce que je peux casser ça? Oh oui! Oh oui! Je peux casser! Je peux casser la vaisselle! Oh là là, il y a une visée auto de ouf par contre. Par contre, ça m'énerve. Suivez le professeur Fig. Est-ce que tu peux arrêter de l'afficher? Ah oui, madame. Tiens! Oh, Albatros! Désolé, les piafs! Ah, que je connais ce film, je l'ai vu il y a longtemps. Oh putain, Altaïr quoi. Ou Ezio Auditore plutôt. C'est un peu plus loin. Moi je suis pas... voilà, je suis pas fan de... Attends, je ne connais rien à Harry Potter. Ça a l'air d'être que pour les fans, non, car j'hésite. Vu tous les jeux que j'ai encore à finir. Bah écoute, pour le moment, effectivement, je te conseille de regarder un petit peu. Moi, je connais un peu l'univers, mais pas très bien. Après, je vais essayer de mater un petit peu des films dans la semaine pour rattraper mon retard, parce que je crois qu'ils sont tous sur Netflix ou je sais plus où. Et je pense que c'est une bonne chose, ouais. Surtout pour le name dropping et tout. Après, bon, bah, j'aime bien les univers de fantasy et de magie dans les jeux vidéo, j'aime bien les open world, là ça a l'air d'être assez sympa, je connais un petit peu l'univers, donc je suis pas totalement perdue, mais voilà, je vous dirais si... ils sont plus sur Netflix? Ah mince, bon je verrai. Peut-être, mais je pense qu'ils sont sur Amazon. Je vous dirai après si j'ai l'impression d'être trop du père, je pense que je le serai un peu, ouais. Mais... On va dire que de ce que je sais, le jeu il sait être complètement compréhensible, au moins dans ce qu'il faut faire et dans à quoi ça sert ce que tu vas faire, machin, et dans les intrigues, pour que tu comprennes sans connaître l'univers. Tu vas reprendre les bases, hein, vraiment.
Donc je pense que ça peut aller. Mais effectivement, si t'es ultra fan, c'est beaucoup plus simple. Et là, et puis tu dois être là en mode, oh, là typiquement cet endroit, je suis sûr que les fans ils le connaissent. Ils disent, oh, on est là, trop stylé. Je sais pas. Ah, c'est pas la même époque. Ok. Je pense que c'est bien de connaître un petit peu l'univers. Mais bon, bah en fait, t'apprends à le connaître avec le jeu. Je pense que ça peut être une bonne introduction à l'univers si tu le kiffes ou pas. Aussi, c'est à voir. Je pense en même temps, j'en sais rien. Très joli. Le jeu est pas très joli par moment, je suis d'accord. Bah en fait, les personnages, pourtant, moi je suis en tout en élevé. Les personnages sont pas foufous. Hein, très honnêtement, on n'est pas sûr du truc de fou. Et voilà, les couleurs. Et ça, ce sera un petit peu tout le temps. Et bon, des petites. Freeze par moment, ça bah, malheureusement tous les AAA qui sortent sur PC maintenant en ce moment j'ai l'impression que c'est ça. Je le trouve joli, mais je trouve que les couleurs sont un peu ternes. Parce que ce sera ça tout le temps, c'est-à-dire peu importe le type de luminosité. Quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Un peu terne. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Une cascade. Je trouve ça intéressant. C'est vraiment très intéressant. Mini-carte vous montre les environs. Vous apparaissez au milieu. Merci beaucoup. Appuyez au-dessus pour accéder aux détails. D'accord, merci. Je vais appuyer. Ah oui. Ah non, mais je connais déjà les détails. Une centaine d'années avant la période d'Harry Potter. Au début des années 1900. Ah ouais? On est dans le passé du passé? Mais c'est fou ça! Là on est 100 ans avant Harry Potter! Mais c'est incroyable! Pourquoi j'ai des cheveux bleus? N'existait pas le bleu avant les colorations. Bon attendez, je vais explorer un petit peu. Explorons les environs, regardons un petit peu, analysons. Je pense que ça va être très cool de se promener dans les environnements de... C'est vraiment ça qui a fait que j'ai voulu le prendre, c'est que... quand tu voyais un petit peu tout le monde se promener dans les environnements, dans la ville aussi, qui s'appelle... Rue Hollard, là, je sais pas quoi, Crue Hollard, bref, voilà. Et ben ça avait l'air très cool aussi, et cette liberté que tu sembles avoir assez tôt, hein, finalement. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Et ben ça a l'air très cool. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer? Quand tu joues juste, t'es dans un vide, rien des films. Ouais, voilà, c'est ça. Il y aura peut-être de ça aussi, ouais. T'apprends limite un petit peu en même temps. Les couleurs Elden Ring, je suis pas dépaysée. Oui, mais là, on est dans un monde un peu plus féerique quand même. Un petit peu plus fantaisiste dans la... Ouais, féerique plus que fantaisiste. Ils ont pas fait un Harry Potter au ski? Qu'est-ce que c'est? Oui, professeur, ils ont pas fait ça. Ou dans le présent du futur. C'est un choix. Comme c'est étrange. Pré-Hollard, merci. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Ah, je mais moi j'ai trop les yeux de les yeux de l'aigle. Cette lueur, comme sur le réceptacle du porte-loin. Ah, c'était ça qu'elle voyait comme lueur. Attention, je prépare ma baguette. Attention. Nickel. Pardon, interagir avec la magie. Ah oui, bah je pensais que c'était ça que je devais... Ah oui, examiner. Non, pardon, je suis un petit peu... Un peu faux folle. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Baguette dans le pétou. Je ne peux y croire. Je vais poser mon verre. Ouais, où sommes-nous? En plus, la caméra elle garde cet angle, du coup, je vais me tourner. Et tatatin. Tu qui ronfle? Eh hey, mute-toi quand tu te ronfles sur Discord. Oh, mais ça me fait penser à la banque.
qu'il y a dans Harry Potter. Je sais pas lequel. Il y a quelqu'un ? L'oxymore, c'est bien. Hein. Franchement, GG, réponse. GG. Les animations sont dégueulasses du perso, je suis complètement d'accord. Elle a du mal en fait. En fait, on dirait que c'est que la bouche qui bouge et les yeux, ça va pas c'est du tout. C'est impossible. Tant pis, hein. Je vous mettrai des lunettes, ça passera mieux. J'avoue, ça va bien passer avec des lunettes. Un petit swag. Là, j'aime bien son expression. Elle est pas trop mal. Mais quand elle fait des expressions de choqué, c'est trop bizarre. C'est bien la banque. Ouais, j'ai... La banque des sorciers. J'ai une référence. Le coffre numéro 12, je présume. Il verra plus ses yeux jaunes. Ouais. Bon. La clé. Ils sont plus jaunes, en plus je me suis trompée à la fin, je les avais changés. Votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par contre, toujours un plaisir d'entendre Aline. Si, j'adore sa voix. Merci, merci beaucoup. Je vous laisse un peu profiter des cinématiques. Bon, sauf quand elle a pas voulu, mais... Merci beaucoup. Une baguette dans le pétou, in the pétou. Je me demande si tout le monde a le coffre numéro 12. Oh, ce serait marrant que ce soit aléatoire. J'aimerais beaucoup. Ah ouais, ce serait sympa. Mais je pense pas. Regardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Quel petit filoutube. En tout cas, j'ai hâte qu'on voit Poudlard et tout, là. Là, j'avoue. Oh là là, on est sur le... Oh, le monorail. Je sais pas ce que c'est. Oh non, mais trop bien. Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Oh. Nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Sans les mains. Elles sont très rares. Intro de Half-Life Incoming. Les plus puissantes ou les deux peuvent s'offrir ce genre de service. On entend peut-être mal les voix, donc n'hésitez pas à me dire s'il faut que je refasse un peu de menuing. Pardon ? On va sous l'eau ! Oui ! Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. Mytho ! Vous êtes déjà familière. Mytho, c'est que de l'eau. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. Mec, oh non, j'ai... Ah non. J'ai appuyé juste sur... Merde, je crois que j'ai passé. Oh merde, je crois que j'ai passé. Numéro du coffre. Coffre 12. ça par contre, il faut... Faudrait bloquer le message, s'il vous plaît. Attendez, je vais essayer de le faire. Hanté, tu veux bien au moins effacer le message ? S'il te plaît, juste. C'est trop scripté, ouais. Le brassard que portait ce garde brillait. Comme le réceptacle du porte-loi, vous voulez dire ? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon ? Nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne. Mon ami film, bah non. En fait, genre moi je l'ai pas vu. Et en fait, ça sert à quoi de spoil un truc comme ça? Nous y sommes. Genre ça sert à rien en fait. Déjà, oui, bah moi aussi, je savais aussi. Mais enfin, dans le doute, quoi. Il y a des gens qui connaissent. Dans mon chat, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas du tout l'univers d'Harry Potter. Et imagine, ils découvrent avec le jeu, bon bah super, tu leur as niqué absolument toute l'histoire là. C'est nul, c'est vraiment nul. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, c'est pas d'intérêt ? Je comprends pas. J'avoue que. On va dire que quand tu spoiles sans faire exprès parce que tu racontes un truc, là typiquement on parlerait du film et tu dis ouais mais quand il y a ça et tout, et je suis obligé de dire par contre évite de trop spoil et tout. Mais là c'est vraiment fait dans le but juste de spoil, je comprends pas.
Merci beaucoup, Anté. C'est très gentil. Merci pour votre aide. Dernier jeu, c'était pareil, il fallait attendre pour jouer. Je comprends pas non plus ta question. Bonjour Kenji. Bonjour, bonsoir. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que... Vous avez une longue intro? Pour le coffre 12 précise que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Mais un message qui dit que tout se voit... Je ne m'attendais certainement pas à cela. Attends, enfin, non, je peux pas faire start. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Ah, ce Rabani. En fait, c'est un... Non, je mets pas de message parce que les gens le savent, hein. Au bout d'un moment... Révélion ? Oui, le sortilège de révélation. Comme je mets pas de message disant « Soyez respectueux » dans le chat, hein, parce que tout le monde le sait. Voyons aussi, il faut arrêter. Nous échappe, d'accord ? Aucune personne ne m'a déjà dit « Ah, mais c'est bizarre, je savais pas qu'on avait pas le droit de spoiler. » C'est implicite. S'il n'y a pas écrit... Ouais, ce Rabani, ouais, bon, je... quand même la règle, mais bien sûr en fait, genre surtout quand tu découvres un jeu, enfin ah ça va être très chiant la manette ça. Ah faut faire d'accord. Visez votre baguette, ok. Je comprends pas trop. Ok, c'est marrant en vrai. Ouais mais je pense qu'il est sur téléphone Bloody et ça a tout corrigé à sa place j'imagine. Tu le dessin, ouais mais en fait je pensais, enfin je vais pas comprendre un truc. La commande vocale. J'avoue la commande était bien drôle. Alors Révélio. Révélio. Là, j'ai vu quelque chose. Mince, j'ai pas vu qu'elle touche cette terre Révélio. Et réessayer. Mais j'ai pas vu quelle touche c'était, il va me le redire le jeu. Parce que je pense que je vais faire moite-moite. Une porte. Oh c'est sympa. C'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si professeur, ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. C'est aussi si la voie de symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Ning. Je vous en prie. Ouais, sa voix elle est trop bien en vrai, je sais pas, j'adore. Il y a des rôles où j'aime moins, je les mets moins en deux secondes Ellie on va dire. Parce qu'elle devait se donner un air comme ça un petit peu dark. Et c'était un chouïa artificiel pour moi. L'air qui était donné ça faisait pas... Mais là comme ça, là j'adore. Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? Et je pense... Non rien, j'aime trop. Révélio. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Oh, j'arrive pas à suivre. Faut que je suive. Il s'est passé plein de trucs là, il s'est passé trop de trucs. Non, t'inquiète, Bloody, pas de soucis, pas de soucis. La voix de la galémine dans Forest Gump de la mini-génie. Ah, oh, je savais pas. Rabani, je sais pas. J'avoue, je sais pas ce que c'est. Bah écoute, j'ai compris, hein. Je sais pas. Ce mot est mignon. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. Révélio. Non, ça fait rien. Ah, en vrai, je m'approcherais pas comme ça aussi. Peut-être parce que je devrais pas m'approcher. Si, interagir avec la magie. Qu'est-ce que c'est ? Que s'est-il passé ? Oh, mais il y a quelqu'un en dessous ! Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur, je vais bien. Ah, va falloir que je fasse un petit réveillio là. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Mais oui, il y a un reflet d'un monsieur. Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Un jeu très attendu, il y avait Cyberpunk, Moglobinda.
J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. Mais Elden Ring était bien attendu aussi, mais c'est un public un peu plus de niche. Là, mais la position des statues est inversée. Hey, quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos. Oh, je connais pas Lumos. Je vais tester à la manette. Oh, c'est pas si mal à la manette. Ok, ça va. Je vais essayer de jouer à la manette quand même. J'aime bien ce petit truc, tout mignon. Vous avez obtenu le sortilège d'allumage. Automatiquement est assigné. Dans votre ensemble de sorts, le sortilège Lumos génère une lumière à l'extrémité de votre baguette qui vous permet de voir dans les zones les plus sombres. Lumos. Du coup, faut que je fasse... RT, c'est right, c'est ça. Lumos. Bravo. Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oh, c'est trop fils. C'est sympa. J'ai hâte de faire les énigmes aussi dans le jeu. Je vais être acheté, mais ça va être trop bien. Il y avait un truc. Revelio. Oh mince, j'ai tout niqué, je crois. Ah, pardon. Pardon, statue. Lumos. Ah oui, d'accord. Faut vraiment que je reste comme ça. Et là, ça indique un chemin. Ah, faut que j'attende qu'il ait fini son animation. Désolée. Mais je suis juste en face et je suis pas très... pas très protégée. Ça a bougé au dernier moment, oui. Ouh, petit combat. Non mais laisse-moi faire, Inkari. Oh, je me fais PL, ça dégoûte. C'est ça d'être avec les hauts levels là. Je peux pas jouer. Ah si, c'est bon. Hop là, ma petite baguette là, j'ai fait fiu 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 en tournant dans tous les sens, ça sert à rien mais je le fais. Proteco. Je peux même leur mettre de la lumière en pleine tronche là. Ils sont trop dégoûtés. Ils vont être trop limités. Ah ! Il y en a pas derrière moi hein. On va dire que non. Oh bim ! Bon, il y a une visée auto de ouf hein. Si ça me gonfle trop, le chemin à suivre. Ah, faut que j'utilise des protégo, c'est un entraînement, j'avais pas fait gaffe, pardon. J'avoue, je disais pas, j'étais à fond. Attends. Détruire les statues. C'est bon, je le fais. Par contre, j'ai fait beaucoup de gym, faut que je fasse gaffe. Ne vous éloignez pas. Je suis là. Rate parfaite, ça marche. Ouais, professeur, c'est bien. Professeur Fig, professeur, où êtes-vous? Lumos. Je n'aime pas ça. Lumos. Je ne vois pas où je dois aller. Ah bah je suis ça, moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est des petits feux d'artifice qui sortent de mes petons, c'est trop mignon. Quelque part. Attendez, je fouille un peu quand même. Imaginons, il y a un loot de ouf. Bon, en fait, je vais aller là où le jeu il me dit. C'est très sympa comme c'est fait. Pour te faire suivre le chemin, c'est pas un... Tu vois pas en fait un filament de lumière te disant « Va là-bas ». Non, par contre, il faut... Cela, c'est des connards et j'en joue Casus pas, Boulou mais... Hello. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Salut à toi. Je vais baisser un peu la musique, même si elle est superbe. Parce que, bah, elle est très forte. Merci pour le raid, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Salut sorcière, en toute amitié. Écoute, nous sommes dans un contexte où c'est mieux que d'être humain, donc ça va. T'étais sur quoi? Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Je découvre complètement le jeu, on est à la première heure de jeu à peu près. Et encore, on peut compter la création de perso et l'intro de début et tout ça, donc en vrai là vous êtes vraiment au tout début du jeu.
J'ai commencé assez tard dans la soirée, donc si vous avez peur de vous spoil pour le moment, ça va. Lumos. C'est ma première énigme d'ailleurs. Ah, faut peut-être que je fasse un petit révélio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Mais t'inquiète, moi je connais moi. Je vais peut-être les faire un par un. Imaginons que je fais ça. Ah. Faut que je les fasse tous ensemble. Je me mets là, is ok. Ces statues, je crois que je n'ai pas le choix. Ah, c'est bon, t'inquiète. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Mais ça va. T'as les drop Twitch? Oui. Ah mince, attends, j'ai dit mais ça va, mais j'étais pas prête. Ok. Hop là, parade parfaite. Hop là, parade parfaite. On doutait, j'entendais un petit peu. Hop là, parade parfaite. Bah, bref, vous avez compris. Oh, je t'ai assommé. Oh, Nilos. Bon alors, on est tous soumis. Lors de Protego pour contre-attaquer et étourdir l'ennemi. Ah. Faut juste s'appuyer, mais tout de suite après, ou juste le fait de rester appuyé au moment où je me protège? Parce que, ah non, c'est une autre touche Protego. Non, c'est Y. Bah ben oui. L'ennemi étourdi subit des dégâts les plus... En plus, indiqué par le chiffre en or, de couleur or. Ok, je vais essayer de faire ça. Oh merde, je regardais pas. Ah ouais, d'accord. Mince, j'ai pas... Merde, je regarde pas. Oh non, je vais mourir. Comment ça, Lumos? J'ai fait stupéfix. Je me suis soignée. Ah! Et ouais, ma vie, je la vois pas bien, j'avoue. Je me suis mise en difficile. En même temps, ça va aller sans jouer Harry Potter. Peut-être le regretter, hein. Merde. Pas parade parfaite. Ça se reforme, ça se reforme. Oh non, he's ok. On va l'humosser. Lumos. Ouais, j'ai mis jeu en difficile. Peut-être le mettre dans le titre, tiens. Comme ça, vous saurez. Vous aurez peut-être un point de comparaison avec les autres streams que vous avez vus. C'est surtout le mode difficile. Moi, c'est surtout... La musique est encore forte. Pour les énigmes, pour avoir pas trop d'aide sur les énigmes. Parce que je trouve ça cool dans ces jeux-là. Et salut, petit Ming. Cobralox. Écoute, c'est très mignon. Très bonne arme contre le spoil, petite mémoire, je n'en tiens pas. Mon copain a la même arme. Et c'est pas mal parce que du coup, tu redécouvres aussi avec plaisir des films que t'as déjà vus ou des œuvres que t'as déjà vues en te disant « Ah ouais, en fait, j'avais peut-être déjà vu, mais tu ne sais plus. » Et bah c'est cool. C'est vraiment très cool, en fait. Mais GG à toi, Kenji. C'est plutôt un avantage. Mon copain m'a fait ça pour le film Watchmen. Il m'a dit un jour... Allez, qu'on voit Watchmen. Faudrait qu'on voit Watchmen. T'avais dit qu'on devait le voir. J'ai dit ouais. On l'a vu il y a à peu près 6 mois. C'était vrai. Je parle du film Watchmen. Qui date un petit peu maintenant. Il avait complètement oblitéré ce film de son esprit. Et ça, c'est pour quelques, pas mal d'autres trucs. Il me dit pas vu, bah, jamais vu et tout. J'ai fait si, si. Si, si, il y a ça, il fait. Oh non, on l'a pas vu. Il est parti. Je vais aller chez Poufsouffle. Je suis déjà...
Bah, Poufsouffle, moi j'aime bien les Poufsouffles, mais j'ai, voilà. C'est un peu la populace. Mais non, c'est le site qui a choisi pour moi. Tu jures de voir la selle serpentard. Poufsouffle, serre d'aigle. Plutôt stylé, surtout Poufsouffle. Je crois que Poufsouffle, j'ai entendu que c'était peut-être la plus belle. Et que c'est peut-être l'une des meilleures écoles en vrai. Salut Yarnaël, des bisous, bon le Herc. Bon. Trouvez le professeur Fig. On va voir ce que c'est que ça. Voilà, j'ai eu un peu peur. J'ai surréagi. Pardon, c'est juste un item à prendre à la main. Surréaction. Oh, vous voilà. Moi aussi, je râle beaucoup sur le froid, Sam. Possible que c'est... Possible. Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. Allez, je suis... C'est une pancine. Pancine? Pour voir les souvenirs. Voyons aussi. Je veux gris à saison. Mais non, ils sont bleus, mais les couleurs sont super pas intenses. J'ai voulu faire rouge, c'était un orange blanc. C'était dégoûtant. Mais bon, je pourrais rechanger, je me ferai un soir, ne vous inquiétez pas. Vous avez gagné un drop! Ouais, j'ai gagné un drop sur mon propre live. Ça fonctionne. Est-ce que si je veux obtenir maintenant... Je crois qu'il faudrait que je relance le jeu pour les avoir. Les coiffeurs assez tôt. Est-ce qu'il y a des nouvelles coupes et des nouveaux... Oui, des nouvelles coupes, c'est sûr. Je crois qu'il y aura des nouveaux trucs, des nouvelles couleurs, mais je pense pas. Quoique des nouvelles coupes, peut-être pas. Hein. Bref, on verra. Tout est en place. Le porte-loi est caché. Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre. Ce sera Percival Rackham. Ceux qui ne voient pas les traces. On n'entend rien. Votre capacité. Vous chuchotez un peu bas. Aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles. Non mais la musique, oui, c'est magnifique, mais si tu pouvais te calmer. Les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité. Non mais j'ai l'impression d'être avec Trapil sur Discord, là on l'entend de moins en moins. Bonsoir El Pollo. Sympa en tout cas la petite scène. C'est cela que vous voyez. Ah voilà, là c'est mieux. Va falloir que je baisse encore la musique. Celle qui les entourait. Ouais, oui, c'est bon, je trouve. Oui, je... pour c'est le moment. Fascinant. Hein. Carrément. Est-ce bien de la magie? T'as reconnu la voix de la fille dans le jeu. Adeline, c'est elle ancienne, pour être précis. Oui. Mais je le savais déjà qu'elle faisait la voix. La même je la suis sur Twitter. Voulait prouver l'existence. Mais sans succès. C'est Chetel, mais c'est bien ça. À chaque fois j'ai un bug entre chat et chez. Sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et j'adore cette doubleuse. Et vous? Eh bien... Ellie dans Poudlard. Mais je l'ai connue avant, moi. C'est pas que Ellie pour moi. C'est aussi Zelda, c'est aussi... C'est plein de voix, c'est... Quelqu'un approche. La petite Ellie remarque plus. Dis parce donc, qu'effectivement. Je ne sais pas. Mais. Merci, Chetel. Moi aussi, je la suis sur Twitter. Mais oui, mais c'est. En fait, je suis plein de doubleurs et Donald Renew, c'est un peu celui qui en a plein. Ils le suivent et du coup, bah voilà, je les suis tous par lui. On dirait que ma réputation me précède. Enfin, je les suis tous. Les infos. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre. Ah, The Sang, j'ai pas regardé. Enfin, The Sang. On dit pas The Sang, mais vous avez compris. Flemme. Allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. C'est aussi des voix dans pas mal de dessins animés, je crois. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement... Iron Man de Ant-Man. Que les instructions c'est pour pas le même coffre doubleur. C'était plutôt clair. Monsieur, je me dois d'insister... Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? J'adore comment... J'adore ce perso, déjà. Rien du tout. Et j'aime beaucoup sa voix. Eh bien,
Ce jeune camarade me sera peut-être plus. Ouais, complètement mince. Grâce à Renew, effectivement, j'ai pu identifier beaucoup plus de comédiens de doublage que je m'intéressais beaucoup au doublage déjà avant. Mais lui, avec son émission et tout, trop bien. Est-ce que les gobelins sont pas forcément sympas dans l'univers? Bah, j'aime bien des gobelins méchants, j'aime bien. Et puis lui, il est stylé. Sauf que il a rien demandé, il prend un hypercute, mais non. C'est gentil, mais c'est vrai que bon. C'est compliqué. Le grand méchant de l'histoire. La synchro labiale, mais oui, ça, on en a parlé hier. La synchro labiale, regardez bien. La synchro labiale correspond à la langue. Et ça, on le voit pas bien forcément dans l'action. Mais c'est trop bien. J'ai pas du tout écouté ce qui s'est passé en vrai. On parlait de doublage et voilà. C'est la première fois que moi je vois la synchro labiale qui correspond à la langue dans un jeu. C'est fou. Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. C'est le lieu qui... Où ça aussi. Sommes-nous? Ah, c'est impossible. Allez, on est parti pour regarder la VOD. Il pour moi aussi. Il en place la pancine, le médaillon... Et pourtant, ça m'intéresse. Voulez que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend. On est quand même vachement à la bourre et puis personne n'y vient de nous aider. Petite forêt, on a entendu le petit... Oh, c'est le moment des frissons. Je vous laissais kiffer en plein écran quand même. Il y a des petits frises de temps en temps, je les ai aussi, je suis navrée malheureusement, c'est pas forcément les jeux parfaitement optimisés pour PC. On a quelques-uns comme ça. Oh ! Gobelin a foutu la merde. Ouais, mais je sais plus ce qui... C'est qu'il voulait pas qu'on soit là, en gros. Je crois que c'était juste ça. Ouais, il voit la magie ancienne comme moi. Ah, il y a un vieux mage qui voit la magie ancienne comme moi. Gobelin voulait te voler ce que tu retrouves dans cette pièce. Le médaillon. Ah oui, d'accord, c'était ça. Ok, merci beaucoup, Kuzake. Oula, what the fuck? Non? Eh, qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh, bien. Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait pareil pour moi, hein. Si je puis me permettre... Oh ceci me What the fuck plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Attendez, je ferme des fenêtres. George et les avertir. Peut-être que c'est un peu balèze pour le PC, je vais fermer des fenêtres. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir... Non, mais Didi aussi. ...reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Ah, petite cérémonie. Ça y est, c'est parti. Voilà. Le gobelin t'a volé des frames, ouais. Mais du coup, j'ai pas mon rendu en direct. J'ai que Streamlabs ce qui monte, mais voilà, si y a un moindre souci sur le live, qu'il y a des frises et tout ça, n'hésitez pas à me le dire parce que je pourrais pas forcément le voir en... Oh non, mais what the fuck, là, y'en a. Black. Pourquoi? Ah bah là, ça va mieux. Préparez-vous bon. À rencontrer le directeur. Phineas Nigelus Black. Ok. Le directeur. Fig. Merci. De Poudlard. Rano. La cérémonie de la répartition est terminée. Professeur Black. Des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. C'est qui le directeur, bordel? Mais oui, je... Oh non, mais j'ai des petits freezes. Bon, là, ça va, ça se calme un peu. Ah, ça nique un peu la scène d'intro, quand même. Tout le monde bouffe au calme. Et moi, j'étais dans la forêt perdue, en train de mourir. Elle a la même coupe que moi, je vais devoir changer ça, dégoûte. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. J'aime bien lui. Les bougies, oui. Bienvenue.
Oh non, mais ça fait. Asseyez-vous. C'est un truc intime, ça. On serait obligé. On peut pas faire ça dans un coin tranquille. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non? J'ai redoublé. Vous aviez certaines attentes en venant. Oh, les yeux qu'elle a, elle a l'air shootée. J'ai pas fait le meilleur choix de visage, hein. Je m'en veux un petit peu. On va lui mettre vite des lunettes. J'ai hâte de commencer les cours, j'ai hâte d'explorer. Oui, bah oui, j'ai vachement hâte d'aller en cours. Hein. J'ai hâte d'explorer Poudlard. Et les terres autour de l'enceinte du château. Le doubleur, c'est Simon Pegg dans la VO. Ah, trop bien. En effet, remarque, je sais pas si c'est un bon doubleur, c'est un très bon acteur, mais... pourront étancher leur soif de connaissance. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Moi, elle juge. Non, mais c'est vrai, regarde ses yeux. Intéressant. En vrai, hein. Vous avez appris récemment que vous possédiez une capacité rare. Je sens une grande ambition, oui. Une soif de pouvoir. Apparemment, on m'a dit le jeu se passe 100 ans avant. Vas-y, je boulou. Serpentard, oui, évidemment. Bon, il me pose pas de questions parce que, pour ceux qui arrivent maintenant, j'ai fait le test avant et je suis déjà estampillé Serpentard de base par le test qu'il y a sur le site Wizarding, je ne sais plus quoi. N'hésitez pas à le remettre dans le chat si vous... moi j'ose plus ouvrir quoi que ce soit parce que ça bug de partout. Et du coup, j'ai déjà tous mes trucs. J'ai déjà fait avant. Voilà, voilà. Maison Serpentarde, let's go, hein. Écoute, le jeu me l'a dit, hein. Moi, j'aurais accepté n'importe laquelle qui m'aurait dit. Mais Serpentarde, bah, je savais que j'étais déjà, parce que je savais, on avait déjà fait un test avant. Non. Acceptez la maison. Oh, merci, vous êtes incroyable. Vous irez dans la maison, Serpentarde. Oh, les lags, ça dégoûte. Pourquoi... Ah, peut-être que s'il me met... Oh non, mais horrible! Oh, je suis dégoûtée! Et moi aussi, je lag. Écoutez, hein. Alors que pourtant, j'ai un très bon PC, sachez-le, hein. Mais bon. Donc, je demande à Jilo si elle est comme moi. Une chose. En raison d'une mais c'est horrible. Fâcheuse subie. J'aimerais bien mettre dans les paramètres pour tester des trucs, mais je peux pas. Cette année est annulée. Oh, c'est pratique ça! Ça dépend des plans, il y a des plans qui lag complet. Genre ces plans-là. Pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour. La scène d'intro, j'ai encore pas trop vu. Vos études. Ça a lagué chez pas mal de gens. Ah, merci, Minj, tu me rassures. Avant le début des cours demain. J'ai dit. Kiruka, ça lag aussi. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Mais c'est lag parce qu'il y a des optis de merde sur PC maintenant, sur tous les AAA, c'est insupportable. Entendre, les devs avaient pas le temps, les devs s'en foutent. Les devs, c'est... Il va falloir un petit patch, ce serait bien quand même. Mais bon, comme d'hab, ils optimisent à fond les versions consoles moins puissantes, hein, pourtant. Enfin, c'est bien, après, d'optimiser, mais... Oh, Weasley, c'est la maman de Ron, la grand-mère. Zéro lag sur PS5, bah oui. Mais ça, c'est comme ça sur... c'était pareil avec... avec Protocol, là, machin. Callisto Protocol, c'était pareil avec... Enfin, tous les derniers jeux AAA qui sont sortis. Ce ne sera peut-être pas simple, mais il y avait pareil avec Detroit Become Human, enfin bref. Je ne manque pas de ressources. C'est bien ce que je pensais. Ça pète un petit Voici peu. Voici l'entrée de la salle commune de Serpentard. Pour y entrer, il suffit d'énoncer le bon mot de passe. Aspiration. Mais tu m'as pris pour un Dyson ou quoi? Mais c'est quoi ce nom nul? Ce mot nul? Aspiration. Oh, le serpent par contre, ça, je kiffe! Ah, le fait que ce soit un serpent qui nous ouvre la porte, moi je trouve ça trop classe. Bravo! Aspiration! Entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Pas de Quidditch cette année. Entendre. Ah oui, pardon, les devs n'ont pas eu le temps de le faire. Faut entendre, il y aura un DLC. Moi, je vois ça comme ça. Même. Ouh, ça a l'air sympa. Ouh, ça a l'air sympatoche. Tout le monde est déjà parti.
Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Bon, je pense que le style est un peu proche dans toutes les maisons, mais que là, on va avoir un style un peu plus verdoyant, vert, dans les tons verts et tout ça, parce qu'on est Serpentard. Et que tu vas à Gryffondor, ça va être rouge et doré, machin. Donc deux couleurs très sympas aussi. Hein. Ouais, effectivement. Ok, c'est marrant. D'assez avec le Quidditch, bah complètement. Avec des compétitions de Quidditch à faire en ligne et tout ça. On sait que les bugs étaient pires dans Callisto Protocol, ça me t'a raison. J'espère que là il y aura des petits patchs, parce que c'est vrai que les cinématiques sont sympas quand même. Mais du coup, bah on n'en profite pas. Ok. Bon, j'ai pas pu trop visiter pour le moment. Cette Gryffondor est chum, ok. La commune de chaque maison sont assez différentes, on va voir. Ok. On va faire un petit tour. Donc là, je vais juste dans d'autres quartiers. Si, ouais, voilà. Ok. Il y a un côté jardin, en fait. Il y a un côté jardin que j'aime bien. Et les mousses sur les murs, le côté un peu mur en ruine. Faussement en ruine ou je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça, j'aime bien. C'est des trucs que je fais souvent dans Planet Zoo. Parce que j'aime bien. Oui, j'arrive à placer Planet Zoo à peu près dans tous les jeux auxquels je joue. Sachez que c'est une de mes compétences. Je ne sais pas s'il y a un réglage in-game, mais attention, le jeu a tendance à maxer très vite quand tu prends ton temps. Oui, c'est pour ça que j'ai mis en difficile. Parce que je crois que ça règle ce problème. Ouais. Oh, les serpents partout, j'aime beaucoup. Un manque de luminosité quand même. Manque de luminosité, mais bon. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est des gâteaux. Oh, je mangeais un gâteau. La double victoire dans Arcane. Ah oui, d'accord. Bah, c'est pas la voix aussi du coup d'Aragorn. Je dis Aragorn parce que l'acteur, il a pas toujours eu cette voix, il me semble. Viggo Mortensen. Oh, les présentations s'imposent, il me semble. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. Un peu dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de lumière. Ou je sais pas, qu'il y ait un petit manque. Mais ça, c'est partout. Oh, ça déchire, par contre. Il y a un manque d'intensité des couleurs partout. Et je pense que c'est je le ressens là, mais en fait, je l'ai ressenti... Par contre, l'eau, elle tombe un peu de n'importe où. Non, ça défonce, hein. Elle est belle, hein. Elle est belle, la salle. Hein. Moi, tu me montres une fontaine comme ça. Quoi? J'ai pas le droit? Non, mais qu'est-ce que c'est, là? Ok. Mais oui, mais j'avoue, je suis un petit peu trop... Je suis trop précipité de visiter. Ah non, c'est sympa. La salle Serpentard est sous le lac. Oh! Oh, ça c'est trop cool! Salle Serre d'Aigle est dans la tour du château. Ok. Bon, j'ai plein de trucs à. Je vais interagir avec les gens un petit peu. J'imagine que. Sébastien! Lui, je l'ai vu. Salut, c'est Bou! Je peux t'aider? Ah! C'est toi qui viens d'arriver. Je m'appelle Sébastien Palot. Pourquoi mon perso répond pas, Elius ? Bienvenue à Serpentard. Merci. Tout le monde n'arrive pas escorté par le ministère. C'est seulement un ami du professeur Fig qui a fait la route avec nous. Et pourtant, ça reste impressionnant. Quelle horreur, le pauvre. Je suis content que vous alliez bien, Fig et toi. Bon, merci. C'est terrifiant, c'est excitant. C'était pas si terrifiant, en vrai. C'était affreux, évidemment. Mais quelle expérience inoubliable. Si je m'attendais à ça... Comment vous êtes-vous échappé, Fig et toi? Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Pardon, je suis curieux. Prends le temps de souffler un peu. On parlera plus tard. Poussou, c'est dans cellier, proche des cuisines, à côté des tonneaux et du vin. Et dormir. Ok, ils vont expliquer. Ok. Allez, sous l'eau, au niveau des cachots.
Ça manque effectivement de luminosité. Ouais, mais je dirais de points de lumière sinon. Mais en fait, c'est même pas tant ça. C'est les couleurs qui sont pas très intenses, mais c'est un peu dans tout le jeu que je ressens ça. C'est comme ça. Couleur délavée qu'Elden. Presque, ouais. Presque, on aura quand même un peu plus de couleurs qu'Elden. Puisque Elden, bon, une partie des niveaux c'est très monochrome, mais à des niveaux des biomes. Je vais pas dire que c'est un choix artistique parce que c'est la mode. Je pense que c'est aussi pour coller au style des films récents qui sont quand même beaucoup moins flamboyants au niveau des couleurs. Que quand tu regardes les trois premiers films par exemple. Les pauvres sous sont dans la cave. Et que Gryffondeur et Serdaigle, on doit prendre l'air. Serdaigle, l'aigle, ouais. Au pouf souffle, ouais, bon, c'est vrai que c'est un blaireau, je crois. Alors, on parlera plus tard. Qu'est-ce que tu lis? Tu lis quel livre? Un livre de sorts que j'ai trouvé. J'ai lu des choses intéressantes, mais ce n'est pas ce que je cherchais. Tu t'en rendras compte assez vite, mais tous les sortilèges dont tu auras besoin ne figurent pas dans nos manuels. Ok, comment ça? Tu insinues que certains sorts ne sont pas enseignés à Poudlard? Lesquels? Excellent. Je vois qu'on se comprend tous les deux. On reprendra cette conversation une autre fois. C'est comme ça que tu rigoles? J'ai été ravi de te connaître. Bonne journée. Il a fait un petit lifting, le Sabu. Il peut pas faire des expressions. C'est con parce que juste ce petit manque d'intensité des couleurs de manière générale, mais sinon, je trouve quand même cette salle très classe. Juste que même les trucs un peu vert foncé, un peu vert vif, genre les plantes qui sont censées du coup avoir des couleurs un peu plus intenses que peut-être des trucs délavés, et ben je les trouve aussi un peu ternes. Mais bon, voilà, ça fait 15 fois que je le dis, pas bien si grave. J'étais toi. Imelda, bonjour Imelda. Tu ne vas pas faire ça quand même. Oh la relou, c'est la meuf qui te dit comment conduire à côté. Je t'aurais prévenu. Échec et mat. Je te l'avais dit. Il aurait mieux fait de m'écouter. Ah, je sais qui tu es. C'est toi la nouvelle élève de Serpentard. L'enchaînement des phrases est bizarre, mais normal, ils font des lignes une par une et parfois elles sont collées de manière bizarre. Voler la vedette aux premières années. Au fait, je m'appelle Imelda. Dommage que je n'ai pas été avec Fig et toi. J'aurais pu distraire ce dragon. Sur un balai, mes compétences sont légendaires. Oui, mais je verrai personne sur un balai, je suis sûre. J'aurais aimé que tu sois là. On s'est débrouillé. Oh, le vas-y. La confiance et je des pense que tu sous-estimes la force d'un dragon. Il n'aurait fait qu'une bouchée de ton balai. Pas avec moi dessus. Peut-être qu'un de ces jours, je te montrerai un ou deux trucs sur le vol. Je peux t'apprendre bien plus de choses que le professeur Kogawa. En parlant de ça, j'aimerais enfourcher un peu mon balai avant le début des cours. Parle toujours de l'objet, hein. Tu voles beaucoup? Tu as beaucoup de temps pour voler entre les cours? Je trouve le temps. Il n'y a rien de tel que virer entre les flèches du château et autour du terrain de Quidditch pour se vider la tête. Je suis en mode recherche intensive, ouais, je reconnais la voix. Le dialogue avec tes points d'interrogation t'apporte des infos sur le lore. C'est intéressant, mais pas indispensable. Je pense que je vais en faire quand même. Moi, je connais pas bien le lore. Dans les animaux fantastiques, c'est assez délavé aussi au niveau des couleurs. Ouais, bah c'est pour ça, en fait, c'est pour coller à ce style. Mais on y perd un peu en waouh. En effet, waouh, c'est dommage, mais je comprends. Je comprends ce choix, mais c'est dommage. Puis c'est peut-être un peu à la mode aussi, en plus. Tu pourras donc faire le jeu avec chacune des maisons. Ah, t'as des saves limités? Je savais pas. Sébastien, Agui, à Skip. Je t'appelle... Ah oui, d'accord. Je m'entends du rôle, mais j'ai pas fait Fallen Order. Dirait la meuf aux parents pourri gâté. Ah, c'est... Et ça peut être une Lisa Simpson, sinon on va voir. Quoique non, Lisa Simpson est adorable. Bonjour toi-même. Bon, pardon. On tu va parler des échecs. Aux échecs version sorcier tu savais le Vibratus. C'est un passe-temps trop rasoir à mon goût. Et puis, c'est pas assez difficile pour moi. Oh. Les coups sont d'une telle évidence. Pourquoi personne d'autre ne les voit? T'as compris, t'es trop forte. Ah, oh, putain, c'est la meuf. Oh là là, non mais j'ai compris. C'est la meuf qui, quand tu te bats sur un boss,
t'es sur un boss dans Elden Ring et il te vient, il fait moi je l'ai fait, j'ai first try en fait, je comprends pas pourquoi les gens ils galèrent. C'était là, ta gueule, tu aides personne et personne n'a envie de t'apprécier quand tu dis ça et personne ne t'admire non plus, merde. Ouais, c'est être gris-vert, y'a pas beaucoup de nuances entre les deux. Ça, je pensais que c'était plutôt du noir, mais en fait, c'est du gris. Je pensais que c'était noir et vert leur couleur, mais je connais mal. Doubleur de Sébastien, mais non! Non. Oh, j'ai oublié celui qui fait. Bref, pardon. Non, on arrête. Imelda. J'ai oublié la voix d'Aquaman. Enfin non, c'est Jason Momoa. En fait, j'ai oublié le doubleur. J'ai oublié sa voix. Là, j'arrive pas à l'entendre dans ma tête. J'avance un peu. Je suis désolée. C'est parce qu'on discute en même temps. C'est cool. Je crois que j'en ai entendu une. Oh, mais c'est sous l'eau là, du coup. Mais ça, c'est trop bien. Oh, je doute que les sirènes nous trouvent très intéressant. Oh. À en juger par tout ce bruit à ton entrée. Il est aveugle. Salle commune. J'imagine que tu es la nouvelle cinquième année. Je m'appelle Ominis, Ominis Gaunt. Enchanté. J'aime bien Ominis. Ton arrivée a été pour ah le oui, moins il est aveugle, je pense. Enfin, non, voyons, je sais pas si c'est insultant de dire aveugle. Un peu, je pense. Mémorable, terrifiant. J'aime faire une entrée remarquée. Oh, j'aime bien, si tiens. Si je veux laisser ma marque ici, mieux vaut commencer le plus tôt possible. Ah, tu es dans la bonne maison, alors. N'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide pendant tes premiers jours. Même si je doute que tu en aies besoin. Mais j'aime bien lui, Ominis. En plus, Ominis, il a un nom un petit peu d'opérateur, là. Opérateur téléphonique. Je t'attendais à des serpenteurs. On voit souvent des sirènes. Je vais demander ça d'abord. J'ai mal entendu. C'est trop bien, on peut voir des sirènes à la fenêtre. Entendu une sirène. Oui, mais je n'ai jamais entendu parler d'une sirène à la fenêtre de notre salle commune. J'en vois une, c'est sûr. Mais c'est drôle de faire croire ça aux premières années. Certains regardent par la fenêtre pendant des heures. On voit des poissons et tout. Oh, mais c'est trop ma maison. J'adore, j'adore, j'adore. On voit des tu poissons à travers la fenêtre. Envoyé à Serpentard. Absolument. Du côté de mon père, nous sommes des descendants directs de Salazar Serpentard, l'un des quatre fondateurs de Poudlard. Pas que j'en sois particulièrement fier. Il était obsédé par les lignées nobles de sorciers, un fanatique du sang pur. Ah oui. Malheureusement, c'est... la plupart vrai, de c'est ses la voix descendants de... ne sont pas si différents. De Jeffrey. Attendez, j'ai pas écouté. C'est la voix de Jeffrey. Tu pensais être envoyé à Serpentard ? Absolument. Du côté de mon père, nous sommes des descendants directs de Salazar. Pas que j'en sois particulièrement fier. Il était obsédé par les lignées nobles de sorciers. Mm. Malheureusement, la plupart de ses descendants ne sont pas si différents. Je l'aime trop, lui ! Ça va être mon bro ! Merci, Ominis. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Tout oui, Jeffrey, dans Game of Thrones. J'espère qu'on se recroisera. Cinquième année à Serpentard est-elle ici ? Le professeur Weasley t'a... J'ai mis les nouveaux sur votre écran en bas à droite, vous pouvez voir une enfant. Non mais c'est trop ouf, regardez, on voit des poissons à la fenêtre. Alors ils sont un peu animés comme des poissons en boîte, hein, plus, comme des sardines. Mais comme des boîtes de sardines. Oh là là, regardez, on voit au loin. Oh non mais dis-moi que je pourrais avoir des kraken et tout. Et des loutres. J'aime bien les loutres. Mais en vrai, ça. On voit des poissons, ils sont trop pourris, mais je m'en fous. On voit des poissons à la fenêtre, genre littéralement, l'aquarium, c'est le monde. J'aimerais bien faire du lèche-vitrine après Ola. Non, mais je l'aime bien en vrai, Ominis. Bah oui, mais bon, c'est comme le père de Draco Malfoy, hein. c'est un bâtard. Hein. Et bon, bah lui, il a su s'en détacher un peu plus. Il avait déjà rempli un décor là quand même. J'ai rajouté plein de trucs, mais des tortues. Hey, franchement, j'adore. J'adore, je fan. Hein. Il y a un ascenseur ? C'est quoi ? Il y a une bébête dedans. J'essaye de courir, je sais plus comment faire. Là, il y a une bébête. Morte. Ouais, mais la mort, ça veut pas dire grand chose dans Harry Potter. Oh, ce qui est mort, ça bouge tout le temps, ça parle tout le temps, ça fait des blagues. Australie, non, pardon. Je suis sûr que tout le monde l'a fait. Tout le monde chez les francophones.
C'est pas un bâtard, c'est The Gros Bâtard. J'avoue que j'ai pas toutes les rêves sur, sur lui. Il a bougé. Bonsoir, Trapping. Merci beaucoup pour le 49 mois. 49 mois, il le regrette, le pauvre. Merci beaucoup. Enfin, un collègue. T'as bougé, toi, hein. En arrivant, ça a bougé. Si je reviens. La chatte qui se couche sur mon bureau. Sur les deux claviers en même temps. Ah, mais oui, c'est vrai que t'as deux claviers. J'ai réussi à fermer mon navigateur et à me lancer le lanceur épique. Incroyable. Bonjour. Alors, elle a envie de se faire un Fortnite. Mieux pour votre première journée. Moi, je pense que oui. Rêve de cette journée. Je n'avance longtemps. Absolument je pas, hein, pas mais je kiffe. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Et c'est une grand-mère une grand-mère à Ron. Cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. Rien, grand-mère. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. Buse? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école. Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, j'écoute nous avons pas. Pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Oh, merci, mais c'est parce que je suis un petit peu exceptionnelle quand même. Tenez, voilà. La réussite, c'est important. Qu'est-ce que c'est ? Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que... Ron, il a pas arrêté de son sens du style. C'est vrai que... Elle est ultra stylax, je suis d'accord. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Ok. Merci, professeur. Mais... Elle est par où sa mère dès plus tard ? On va voir ça, mais les couleurs sont pas intenses. Elle est censée avoir les cheveux bleus, même là. À vos questions. Suivez-moi, nous allons vous tester. Par ici. Je valide Rin. Sinon j'aurais arrêté, j'avoue. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Utiliser le guide vous encouragera aussi à prêter attention à ce qui vous entoure. Ok, Sam. Bah, j'espère que ça va bien se passer, votre déplacement. Mais oui, alors les cheveux. Là déjà, en disant l'air gris, j'ai mis des cheveux bleus. Mais l'intensité des couleurs est dégueulasse. Et en fait, quand on a mis rouge, eh ben c'est un rouge délavé, orange grisâtre. Et un peu un commun accord, on s'est dit que c'était quand même dégueu. Mais on changera. On changera quand on pourra, on essaiera. Ça fait Siri en fait. J'y ai pas pensé. Mais ouais, mais c'est même pas volontaire. Et puis bah, il y a des visages qui ressemblent beaucoup plus à Siri. Hein. Moi j'ai choisi un visage, je sais pas. Je sais pas, un visage qui... Je sais pas. Il y a des lags un peu ou ça va? Non, ça a l'air d'aller. Mais oui, c'est sympa, mais c'est qu'en fait, toutes les couleurs paraissent grisâtres. Ah, ça, je sais que c'est du gadget, hein. Ça, j'adore, hein. Je m'en vais. Merci, serpent. À toi bien, bro. Le guide vous proposera. Je pensais que c'était une personne âgée, ton perso, mais il m'a fait la ferme. Sur le monde des sorciers. Quel ne traînez pas. Je ne traîne pas, je connais. Attends, je découvre. Pourquoi ne pas essayer de lancer Revelio sur cette statue pour voir ce que le guide du sorcier pourra vous en dire. Revelio. Qu'est-ce que je fais? Ah, du coup, c'est du lore. Statue de Kelpie, page du guide. Cette statue, représente un Kelpie, un monstre aquatique, métamorphe, originaire d'Irlande et de Grande-Bretagne, qui prend généralement la forme d'un cheval à la crinière ondoyante. Le grand Kelpie du monde n'est autre que le monstre du Loch Ness en Écosse, évidemment. «
Votre progression dans les défis. Ben oui, c'est un jeu à... Comme dirait JDG, c'est un jeu à patounes, donc il y a plein de trucs à récolter, de trucs à faire comme ça. Mais il n'y a pas que ça, donc ça va. Mais j'avais peur qu'il y ait trop que ça. Et oui, non mais t'as pas vu mon swag, attendez. Trapi, il a pas vu mon swag. Baguette, tenue de serpentard, vert, toche d'universitaire, littéralement. Parce que c'est ma toche que j'ai eu ma remise de diplôme. Voilà. Comme quoi, j'ai bien fait de l'acheter. Niveau de sorcellerie. Ok. Ça c'est quoi? Votre guide du sorcier suit votre progression dans le défi actuel. Enfin 1% du défi actuel. Donc c'est le défi des trucs comme ça. Ok. Ça va me plaire, les petits défis comme ça va être sympa je pense. En récupérant la première partie du guide, vous avez débloqué une nouvelle catégorie de défis. Les nouveaux défis que vous débloquerez au fil de l'aventure apparaîtront ici. Sélectionnez les pages du guide des sorciers. Combat, quête, exploration, guide du sorcier. Ok. Ah, et du coup, ça me donne... Ok, je débloque des cosmétiques. Ok. Les récompenses doivent être récupérées dans le menu défi. Consultez-le souvent afin d'y récupérer les récompenses que vous avez débloquées. Ok. Donc, faudra que je fasse deux statues et j'aurai des lunettes. Pas mal, n'est-ce pas? Ah bah grave. Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. L'œil, il me regarde blasé un petit peu comme moi quand je regarde. Je pense qu'avec l'œil du coffre là, on a un lien. Oh, je te saoule. Pardon, je suis tranquille. Je peux pas l'ouvrir, madame, le coffre, hein? Il y a un coffre là, mais pas. Non, mais je le laisse dormir. La porte me fascine, mais elle m'effraie aussi. Ah oui, avec moi qui ai la phobie des serpents. Elle a quel âge, ton chat, Sam? Ta chatte. Eh oui, faut le dire, faut arrêter d'avoir peur de ce terme. Oh, ça, on a presque 2 heures de VOD. 200 ans avant? Ah, c'est 200 ans avant, pas 100 ans avant. Ok, que le jeu se passe. Bonjour. Coucou, Farmalou. Toi, tu débloques des trucs, je veux ce jeu. Elle a 13 ans. J'ai pas peur, mais oui, t'as raison. Il m'a tapé dans l'œil. Bon, je peux pas trop m'éloigner, mais j'ai trop envie de me disperser et tout ça. Excusez-moi, je suis beaucoup plus enjaillée par tout ça que ce que j'aurais cru. Oh, ils font des petits trucs avec leurs petons, les statues. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Mais ça, je devrais pas le savoir déjà. Bon, évidemment que si, mais bon. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Donc il y a des déplacements rapides, je m'en doutais. Ça me paraissait grand. Quelle bande de feignasses, mais bonjour. Et oui, c'est ce que j'ai vu. La carte, c'est en 3D. Ça, je l'avais vu aussi sur la scène que j'avais vue. Et je trouve que c'est pas la plus lisible qui soit, très honnêtement. Je préfère les cartes classiques. Pour se repérer, c'est un peu plus instinctif, intuitif. Vouloir diviser en deux zones principales. Le côté gauche de la carte est l'endroit où vivent les élèves et les professeurs et abrite les salles communes de chaque maison ainsi que la grande salle. La grande salle, vous voyez. Ok. Professeur Blasé m'a dit qu'elle avait quelque chose à me montrer, je devrais suivre. Faut que je fasse quoi là? Sélectionner. Ah oui, c'est ça. Voir toutes les flammes de cheminette disponibles dans la zone pour me téléporter, quoi. Ok. Professeur Visa a débloqué la flamme de cheminette du hall central pour vous. Utilisez R pour tourner la carte et effectuer un déplacement rapide vers la flamme du cheminette du hall central. Bah, let's go. Ok. 3D, 2D suffirait. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, Silence. Même si toi, tu parles de jeu 2D. Nous y sommes.
Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, les années 1800. La musique est très fidèle à l'univers. La musique est très, très bien. Elle est riche et elle est pas omniprésente. Elle monte en intensité parfois et tout. Non, elle est très, très bien. Effectivement, elle colle de fou à l'univers. Ouais. J'espère que toutes les musiques sont bien. Sont pas claim, je pense pas, mais vous voilà. Allez devoir assister au cours de sortilège et de défense contre les forces du mal. Ouais. Aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre après au lard pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, on en a parlé avec effectivement, on a parlé avec Midge. Du fait que nous, on est bien team Harry Potter, même si bon, pas de raison de faire des teams, mais voilà. Qu'est-ce que Préolard ? On va demander un peu. Vous avez mentionné Préolard, professeur ? Préolard est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolard. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûr, nombre de bières au beurre avec vos amis. Nice. Que vais-je apprendre? Ah là, on voit qu'elle a les cheveux un peu bleus. Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronan. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal? La défense, ah oui, j'ai fait les sourcils roses. Mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Aurore ou pas. Ils ont dit que c'était Aurore ou pas. Pour enseigner cette matière à nos élèves. Ok. Je vous remercie, professeur. C'est beaucoup pour un premier jour, et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattrapez votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Effectivement. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines et je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites ? Mais c'était non par rapport à quoi ? J'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Pourquoi ne le dit pas, ouais ? Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Ah ? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. J'espère que ça lague pas. Hein. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bah, rien là. Et des diligences desservent Poudlard, mais vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. C'est lui. Malheureusement, ouais, dire que c'est lui qui nous a choisi. Oui. Qui nous a choisi. Bien. Assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier ? Je voudrais arrêter ma VOD, alors faudrait me laisser une petite pause. Je vous souhaite bonne chance. Bisous. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. Oh oui, il va aller à Préolard. Préolard. Bisous, VOD. Ceci conclut notre introduction. On est... en dessous des 2 heures, donc je vais l'arrêter tout de suite. C'était les débuts de Hogwarts Legacy. Des bisous.